Fatia Lekzouli, bonsoir. Dans le cadre du prix de l'entrepreneur de l'année édition 2014, vous venez de remporter le prix de l'engagement sociétal de la région Nord pour Initiative Floriel, la société que vous dirigez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la nature de cette activité ? Oui, donc Initiative Plurielle est née il y a 18 ans aujourd'hui dans le cadre d'un programme européen Égalité des Chances. Donc on s'est créé à l'époque pour faire de la création d'entreprise une alternative à l'emploi et pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin, sachant que le taux de création d'entreprise des femmes stagne à 30% depuis quelques décennies. Et donc on a essayé de comprendre pourquoi ça ne bougeait pas et quelles réponses on pouvait apporter à ce constat. Et quels sont vos enjeux aujourd'hui ? Quelles sont les personnes ? Combien de personnes vous suivez aujourd'hui ? Donc en fait, on a autour de 400 personnes qui passent les portes d'Initiative Plurielle, on va dire. Mais au total, je pense qu'on doit accompagner dans la durée 200 à 250 personnes. Parmi ces personnes, on a 60% d'insertion professionnelle et à peu près 80 à 90 nouvelles entreprises par an, quoi, créées. Quels sont les enjeux pour Initiative Plurielle pour continuer à se développer dans les années à venir ? Les enjeux, c'est poursuivre la promotion de l'entrepreneuriat féminin parce que ça avance tout doucement. Donc on a entendu et l'Europe et la France, enfin le ministère des Droits des Femmes l'année dernière donner les objectifs de passer de 30% à 40%, donc gagner 10 points en 2017, ce qui est quand même considérable. Et je pense que là, il y a beaucoup de travail à faire et c'est un enjeu sociétal et tout le monde doit s'y mettre pour promouvoir l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, enfin augmenter le taux de création d'entreprise des femmes, c'est impulser de la croissance économique, c'est impulser de l'innovation, c'est impulser de la création d'emplois et on en a besoin. Quoi. Tout ça pour impulser de la croissance, de l'innovation. Vous l'avez dit, Fatia Lekzouli, encore bravo, vous venez de remporter le prix de l'engagement sociétal de la région Nord dans le cadre du prix de l'entrepreneur de l'année édition 2014. Encore bravo et à bientôt. Merci.